Coucou tout le monde, je vais vous présenter la dernière créa que j'ai fait avec les papiers Elf Déco. Donc j'ai fait un petit album 15-15, 15-16 même, que j'ai mis à l'intérieur d'une boîte que j'ai faite moi-même. Je vous montre ça. Donc à l'ouverture de la boîte, j'ai mis une petite sangle à l'intérieur pour tirer le livret. Alors comme vous pouvez constater, c'est un livret qui est hyper souple. Moi j'aime bien les faire comme ça, plutôt qu'une couverture rigide, des petits trucs très statiques. Je trouve que c'est plus agréable à manipuler. Donc voilà, on le voit quand même à la caméra. J'ai mis des petites touches de Glossy Effect dessus. Je pense que s'il y avait un peu de soleil, on verrait mieux. Donc je vous présente comme ça à l'ouverture. Il y a très peu de pages, mais toutes les pages sont doubles. Ici c'est aimanté. J'ai mis une tirette. Ici vous avez une petite flippette aussi. Et ici, j'ai mis une petite ficelle, toute simple. J'ai mis un tag. Ici, vous avez à nouveau une petite flippette pour mettre les photos. Alors, c'est un album fait pour du 9-13, mais vous pouvez mettre du 15-15 à l'intérieur. Je vais vous montrer maintenant plus à l'intérieur. Donc quand vous l'ouvrez comme ça, vous avez une double... Voilà, là vous pouvez mettre du 10-15 à personnaliser. Bon là, du 9-13, hein, bien sûr. Ici, c'est pareil. Et ici une ouverture aussi de ce côté là. Voilà. Et ici vous avez une double ouverture. Hop. Et hop. Donc au final, ça fait quand même pas mal de pages. Bon là j'ai rajouté des petites coquilles Saint-Jacques que j'avais dans des perles. Derrière, j'ai mis, c'est tout simple, j'ai mis mon petit tampon que j'aime bien, la Bi Créative. Moi, je le trouve trop mignon, c'est presque layette. Mais bon, pour un séjour à la plage ou un séjour à la mer ou un petit week-end ou des vacances, il y a un sacré paquet de photos qui peuvent être mises à l'intérieur, quoi. J'adore ce papier de fond, là.